Step into the ring, it's time to rock the night. Sergeant Slaughter's here, ready for the fight. New Year's Dollar Man, with his gold and his flair. We've been through it all, we've gone everywhere. Wrestle Rock! Stradaben, et j'animerai cet épisode en compagnie de mon grand ami de toujours, Johnny B. Hey, comment ça va, mon Ben? Ça va très bien, toi? Yes! Une émission spéciale sur la revue de SummerSlam. On voudrait vous donner nos impressions sur l'événement qui était grandiose. Mais tout d'abord, on voudrait vous annoncer que nous allons être présents pour l'événement de la LWA qui sera présenté en collaboration avec Live Wrestling Unction le 18 et le 19. Le 18, c'est en présentiel et le 19, ce sera en virtuel. Donc, le 18 octobre, mon Ben, qu'est-ce qu'il y aura de spécial? Un spécial sur Adam Bomb, yes. De son vrai nom, Brian Clark, bien yes. sûr. L'événement sera animé par nous, le Q&A en fait sera animé par nous, et en collaboration avec Live Wrestling Unction, on est super fiers de cette belle collaboration avec eux. Donc, à ne pas manquer, le 18 octobre, au Bull Eyes à Québec, les billets sont déjà en vente sur Eventbrite, donc c'est à ne pas manquer. Petite précision, ce n'est pas à Québec, mais à Montréal. Tout à fait, tout à fait. Donc, rentrons vivement dans le sujet, mon Ben. Comment t'as trouvé le SummerSlam de cette année? Ben, comme on en a parlé, ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté un bon gala de lutte comme ça, à Cleveland, Ohio. Oui, ça fait du bien, puis ça paraît que c'est plus les mêmes personnes qui sont derrière les organisations de l'événement. On se rend compte vraiment que il y a beaucoup plus... disons que c'est un petit peu plus tricoté serré, comme on peut dire. Il y a plus d'histoire, il y a plus de psychologie, il y a plus d'intensité dans les combats. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Ouais, j'ai été surpris d'une chose, par exemple, c'est qu'il n'y avait pas de match en équipe. C'est bien rare qu'il n'y ait pas de match en équipe dans un live event. Tout à fait. Mais ils ont quand même ouvert le show avec nul autre que Liv Morgan, qui a battu Rhea Ripley. Gros combat, honnêtement. Tu veux-tu en parler un peu, mon Ben? Oui, ouverture de gala qui était pour le Women's World Championship. Yes! Un match assez intense. Oui. Et il y a eu une controverse à la fin du combat. Il s'agit en fait là, que Dirty Dominic Mysterio s'est comme un peu viré contre Rhea Ripley. On va pouvoir en parler aussi. C'est passé beaucoup, beaucoup de choses là, entre toi et moi, Ben, le Judgment Day, après cet événement-là, ça n'existe plus vraiment. Là, ça a coulé là, comme le Titanic dans le fond de l'Atlantique. À quelques reprises, Rhea Ripley s'est replacé l'épaule un peu de la même manière que Mel Gibson dans L'Arme fatale, quand il se loque l'épaule. On s'en a parlé un petit peu. Yes. Par la suite, il y a eu un excellent combat. Un excellent combat. C'est dur à dire. C'était un bon combat. Mais il était court. Il était très court. Braun Breaker a battu Sami Zayn. Ça me laissait un peu sur mon appétit. Donc, Braun Breaker est devenu le nouveau champion intercontinental de la fédération WWE. C'est sûr que, oui, je dis pas qu'il mérite pas la strap, mais j'aurais aimé ça que le match soit meilleur. Ben, c'est sûr que moi, j'aurais aimé ça que, tu sais, puis il est green, tu sais, on s'entend, là, ça fait pas... Il sort d'NXT, ouais. Ouais, c'est ça, tu sais, puis s'il y avait pas papa, je me demande s'il y aurait autant de push, tu sais. Ah, c'est sûr que papa était là avant lui, là. C'est ça. Mais en ce qui concerne Sami Zayn, c'est bien débrouillé. Sami Zayn pourrait faire un bon match contre un Bali. Ouais, c'est sûr. Comme Shawn Michaels et AJ Styles. C'est ça, exactement. Par la suite, il y a eu un autre changement de titre. Donc, on parle, il y a eu le championnat de la WWE pour la partie... Championnat des États-Unis. C'était qui contre qui, mon ami? LA Knight, qui était champion en titre depuis genre 200 jours, qui n'avait défendu que deux fois, mais là, c'est la troisième fois qu'il défendait, contre le challenger Logan Paul. Yes! Avec une victoire de ce dernier. C'est un excellent combat, honnêtement. On a ri pas mal pendant l'événement. T'sais, on se disait la WWE, probablement qu'ils n'auront plus de sponsorship avec Prime, vu que là, Logan Paul avait perdu sa ceinture. Bref,
C'est une supposition, mais c'est quand même drôle de voir que dans l'événement, tout au long de l'événement, il y avait d'autres produits ouais, comme Slim Jim, si, C4 Energy, puis d'autres trucs. T'sais. Fait que je me demande si notre prédiction ne fitait pas un peu avec ça. Par la suite, il y a eu un combat qui m'a pas vraiment intéressé, honnêtement. Puis après, t'es allé fumer un cigare avec ton père. Ouais, c'est ça. Le match était quand même bien. C'était pour le championnat féminin de la WWE. Qui mettant à l'œuvre la championne Bayley yes. contre Nia Jax avec une victoire de cette dernière. À la fin, quand Nia Jax a battu Bayley, nous avons tous cru que Tiffany Stratton allait arriver avec la valise. La mallette pour cacher. Tout le monde pensait qu'elle allait la cacher, ouais. mais non, elle s'est alliée avec la nouvelle championne actuelle, Nia Jax. Oui, puis on peut dire ce qu'on veut sur Nia Jax, mais c'est quand même son troisième titre féminin à la WWE. Fait que tout thumbs up, c'est vraiment cool. Par la suite, un combat qui était très attendu, mon Ben, c'est celui de Drew McIntyre et de CM Punk. Avec arbitre spécial nul autre que Seth freaking Rollins. Et durant toute l'histoire, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses backstage. Drew McIntyre semblait pratiquement le prendre vraiment personnel. Donc, j'aimerais ça avoir ton impression sur ce combat-là. D'ailleurs, nous avons posé la question sur Facebook et yes. sur X. Est-ce que Seth Rollins va se revirer contre CM Punk contre Drew McIntyre? Tout le monde a voté CM Punk. Ouais. C'est vrai que je l'avais fait un petit peu tard, là, le sondage. Oui, 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 on l'a fait. Suivez-nous sur X, Facebook, YouTube. Il y a toujours du beau contenu pour vous, chers amis, honnêtement. Ça vaut vraiment la peine de nous suivre. Juste ici en bas, là, c'est super facile. Vous faites des petits pouces, puis nous, ben, ça nous permet de pouvoir continuer puis de continuer à mettre du beau contenu. Ça nous encourage beaucoup. En ce qui concerne le combo, ben, ça t'a-tu fait penser, ben, une comparaison, c'est un peu comme un triangle amoureux, un peu ben, comme une fiode à toi. Ben, je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, il y avait eu un combat. Bret Hart, Shawn Michaels, puis c'est qui d'autre, l'autre? Je ne me souviens pas, mais je l'ai vu passer cette semaine, puis je me suis dit, c'est pratiquement le même. C'était Shawn Michaels qui était arbitre dans un combat, Bret, puis. Undertaker. Fallait pas que Shawn Michaels. Des affaires favorables à Undertaker, sinon il était banni. C'est ça, mais c'est un peu. Ça ressemblait ouais, un petit peu à ça, tu sais. Puis finalement, bien, qui a gagné ce fameux combat? Drew McIntyre avec son Claymore yes, Kick qui fessait, hein, d'ailleurs. Ça fait ça, tabarnak, je me demande là, si c'était. Par la suite. Parlant de match qui fesse. Oui, la demi-finale, ce fut pour moi et pour bien du monde sur Internet à qui nous avons posé la question. Exactement. Selon nous, on croit que ce fera partie des 5 meilleurs combats de l'année 2024. On est rendu en août. Il reste encore quelques mois. Il s'agissait de Gunther contre Damien Priest. Damien Priest qui était champion World Heavyweight. Donc, vous l'avez compris, chers spectateurs, que Gunther a remporté son titre. Donc, c'est ce fameux titre. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que tu as pensé du combat? Un match violent à la Bruiser Brody, Stan Hansen. Ça se vargeait la main farmée, des bonnes chops, tout ce qui était de plus solide. Ben, comment amener des gladiateurs à un niveau supérieur? Je crois que Gunther a la l'attitude pour ça. Puis ça l'a amené à un autre niveau, Damien Priest. Damien Priest qu'on n'avait pas nécessairement vu dans le passé. Qui est capable de livrer la marchandise, c'est un méchant. Et comme je l'ai mentionné, Damien Priest, je voyais de la manière qu'il donnait des coups de pied, des spinning kicks. Ça paraît que ce gars-là doit avoir fait des arts martiaux, c'est sûr. Du karaté, du taekwondo, juste du taekwondo. Juste la position, hein, les déplacements de hanches, là, le blue sweat shoot. Là, on n'essaye pas ça en Porto Rico dans la vraie vie. Là. Non, n'essaye pas ça en Porto Rico. Non, c'est ça. Et puis, ce combat-là, pour moi, c'est un 11 sur 10. Là, ouais, le meilleur match de la soirée, ça, yes. C'est évident. Et puis, on a conclu l'événement. La WWE nous a fait une belle surprise avec Cody Rhodes qui a battu Solo Sikoa. Bon, on s'en attendait. Là, au championnat de la WWE, n'a pas oui, oublié. Tout à fait. Puis, il y a eu la surprise de quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis WrestleMania. Ouais, il y a eu des interventions de Kevin Owens, il y a eu des interventions de Randy Orton, les deux Samoans, là. Oui, Tama et l'autre. Les deux fils à la cou. Les gars de Bloodline. Oui, c'est ça. Exactement. À la fin,
intervention tant attendue de Roman Reigns en faveur du champion de la WWE. Cody oui, Rhodes. Donc je crois que ça va être vraiment favorable pour la WWF. Bien entendu que en termes monétaires, comme je parlais, moi je parle tout le temps un peu business, tu le sais Ben, tu me connais. Bon, de mettre Roman Reigns face, ben ils vont vendre de la marchandise, ils vont faire plus d'argent qu'ils faisaient dans le temps de la Bloodline, j'en suis certain et convaincu. Tu disais la même chose de Damien Priest. Damien Priest va faire un bon face, il va vouloir récupérer sa strap, il en veut à Finn Balor. Tout à fait. Mais là, Roman Reigns en face, là ça peut pogner, parce que dans le temps ça pognait pas. Là. Yes. D'ailleurs, Finn Balor a viré le dos à... Ouais, on a oublié de le mentionner. Ouais. De le mentionner, mais exactement. C'est quand même super important. Il a mis les pieds dans les cadres de Gunther en faveur de Gunther, donc ce qui a empêché le compte de 3 de Damien Priest de se faire. Donc, quand on vous disait que la Bloodline, excusez-moi, mais Judgment Day est défait, on s'entend bien qu'avec Rhea Ripley, histoire du triangle amoureux, Liv Morgan, Rhea Ripley et Dominic Mysterio, et le deuxième triangle amoureux entre Gunther, Damien Priest et Finn Balor, on n'a pas fini d'entendre des belles histoires à propos de ces gens-là. En ce qui concerne aussi le main event, la fameuse Bloodline, est-ce que ça va faire comme la NWO quand elle était divisée en deux? Une Bloodline heel, une Bloodline face winner? Ouais, ça se pourrait. Oui, il va peut-être se partir aussi une Shield. On ne sait pas trop. On verra bien qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir une Bloodline rouge, une Bloodline bleue? On verra bien où est-ce qu'ils veulent s'enligner avec tout ça. Bref, c'était un super de bel événement. Et puis, j'espère que vous l'avez apprécié parce qu'honnêtement, ça faisait vraiment du bien. C'est un vent de fraîcheur, comme on dit. Ne pas oublier que le 31 août prochain, il y aura un live event intitulé Bash in Berlin. Oui. C'est rare qu'ils font des pay-per-views et des live events en Allemagne. Oui, tout à fait. Mais là, c'est un super de belle opportunité en sachant que Gunther est champion. Il va sortir ultra face. Oui, il va défendre son titre face à Randy Orton, The Viper Randy Orton, pour le championnat poids lourd de la WWE. Yes. Alors, c'est ici que se termine notre fameuse court épisode concernant notre review sur le SummerSlam 2024. J'espère que vous l'avez apprécié. Mon nom est Jonathan Drapeau. J'étais avec Benoît Laferrière et Nostradamus. Merci, mon Ben. Ça me fait plaisir. Bon travail. C'est toujours un plaisir d'animer cette émission-là avec toi. Puis, n'oubliez pas, 18 octobre, ça va être génial avec Adam Bomb, un super de gros challenge. On a vraiment hâte de vous voir tous. On espère que vous allez avoir du plaisir. C'est un gros challenge pour nous autres d'animer ça sur un stage dans un bar. Oui, oui. C'est un gros défi que nous avons à relever. Yes. Nous autres, on est des gars qui aiment ça relever des défis. Yes. Soyez des nôtres prochainement. On va faire des entrevues très prochainement. Oui, tout à fait. Suivez-nous sur les médias sociaux. Il y a une grosse annonce qui s'en vient pour un guest. On peut juste dire que c'est un Hall of Famer qui a marqué l'histoire de la lutte et qui marque toujours l'histoire de la lutte encore aujourd'hui. Ne manquez pas ça. Un indice, il y a une moustache. Et voilà. Soyez-y, l'action ne manquera pas. Au revoir. It all.